Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de remplacer mon espèce de truc pour mettre mes marteaux qui est complètement pourri. Je vais essayer de l'agrandir et surtout de le rendre un tout petit peu plus pratique. Donc je le démonte avec ma visseuse et j'essaye d'arranger mes marteaux pour voir quelle est la taille du rangement idéal. Un petit coup de flou, je vois qu'il me faut à peu près 60 cm et ça tombe très bien puisque un de mes morceaux de palette fait exactement 120, donc je vais pouvoir le couper en deux. Et pour le couper en deux, je vais tout simplement l'attacher à ma table et utiliser la scie circulaire sur batterie que les amiches de Ryobi m'ont envoyé et qui est vraiment très pratique pour cette utilisation parce que c'est du bois pas très solide et qui me permet de le couper rapidement et sans faire trop de cochonneries. J'ai découpé sur ma scie ruban, que j'ai pas du tout filmé, deux cales, et ça va servir d'espacement pour, en fait, créer juste une boîte. C'est rien de très super compliqué. Comme d'habitude, je perce, je chanfreine, enfin je fraise, et je vais pouvoir visser ça. Mon intérêt est bien sûr de stocker tous mes marteaux, j'ai une espèce de fascination pour les marteaux. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va venir de ma jeunesse. Et donc, je teste tous mes marteaux pour être sûr qu'ils vont bien dans ma boîte. Alors, une chose que je m'aperçois, c'est que, bien sûr, la tête de marteau dépasse de ma boîte. Donc, je mets une cale pour la déplacer un petit peu. Je vais couper un morceau d'OSB, toujours avec ma super scie, avec ma nouvelle super scie sur batterie, qui décidément est super pratique, et qui, pour ce genre de découpe, est complètement géniale. Ça va me permettre justement d'avoir un peu d'appui sur mon French clit et j'ai plus qu'à refixer mes différents éléments de fixation pour mon French clit. Là non plus rien de très compliqué, je le visse et j'essaie de le mettre en place. Alors le problème c'est que bien sûr ça va me forcer à réorganiser toute une partie de mon rangement, ce qui n'est pas non plus dramatique, et je regarde si tous mes marteaux peuvent trouver leur place dans cette nouvelle organisation. Et la réponse est oui. Alors vous le voyez pas, mais je réorganise un peu tout le truc autour. En tout cas, un bon projet qui me permet de stocker tous mes marteaux. Voilà, à très bientôt, merci.